Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se re-retrouve sur Clash Royale. Donc vous voyez mon deck il a quand même bien évolué je trouve. Au niveau des levels. Ça paraît logique hein. Bon voilà donc bon, y a des troupes que je me sers pas que j'augmente quand même pour avoir plus d'XP. Ouais. Ce que certaines personnes ne font pas. Moi je trouve ça logique donc du coup je le fais. Et donc du coup bah je trouve quand même il est pas mal mon deck mais Ah, je gagne pas tous les coups, hein, malheureusement. J'ai pas encore les techniques, hein. Il y en a des fois, ils me défoncent, hein. Putain. Voilà, donc du coup, on va ouvrir le petit open chest, que je trouve quand même bien garni au niveau des cartes, des fois, hein. Alors, deux gobelins. Non, ouais, deux gobelins, c'est bien ça. Ok, donc deux squelettons. Alors, au début, je croyais que c'était l'armée de squelettons, ça. Je me dis, putain, waouh, un élixir, une armée de squelettons. Bah pas du tout, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ok, ah, j'en ai un deuxième. Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. Bah autant en profiter, hein. Non mais bon. Voilà, donc là la même chose, ok. La même chose que tout à l'heure, ok, seulement pas au même endroit. Ok, là c'est pas pareil, c'est différent. Ok, mais malheureusement, j'utilise pas ces cartes, donc je m'en fous un peu. Ouais, donc moi je parlais de celui-là. C'est lui, je pensais que c'était. Bon, il vaut 4 élixirs, c'est déjà plus. Et puis il y a 20 squelettes et pas 4, tu vois. Donc bon, c'est pas pareil. Donc du coup, on va ouvrir alors. Et ouais. Donc 98, c'est plutôt énorme. Magnifique. Ah, y a rien à dire de plus là, magnifique. Ok, donc ça, comme d'hab, je m'en fous un peu. Ok, alors la petite dernière, une petite épique, en espérant que ça soit une nouvelle. Genre le squeletton là, je sais pas quoi, le groupe là. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Bon, qu'est-ce que ça fait? Je parie que c'est des trucs qui viennent du sol. Ça me paraît logique. Ouais. Ouais. Non, j'ai c'est rien. D'accord, mais combien de squeletons? 4? Ah non, c'est quand tu le détruis, il y a 4 squeletons qui... Ok. Ouais, mais dans ce cas, ça fait un par an, ok. Ouais, c'est comme une... C'est comme une barge, quoi. Une je sais pas quoi, là. Une truc de gobelin, là. Ok. Est-ce que tu peux la mettre là où tu veux? On sait pas, c'est... Enfin, bon. Ok, donc ça, c'est... Ouais, c'est pas forcément ce que j'utilise, mais... Ouais, on peut la tester, effectivement, je l'avoue. Vous savez quoi? Je vais changer carrément mon deck. Juste pour vous, tu vois. Bon, par contre, on va pas attaquer maintenant. On va attendre les... On va attendre les 2h30. En live, tu vois, on attendra comme ça, comme des bouffons. Non, je rigole. Non, je ferai une coupure, vous inquiétez pas. Je ferai une petite coupure, donc on se retrouve dans 2h30 après pour faire ce que je pense. Alors juste là, on va changer le deck avant quand même. Au moins, ça sera fait. Donc on va foutre que des trucs bah, nouveaux, on va dire. On va essayer de mettre le plus de trucs nouveaux. Hop là. Mais non, là. Use. Hop. Allez, du PK, c'est parti. Vraiment, on va tout changer comme ça, on va se faire un tout nouveau deck que j'utiliserai pas, hein, mais juste pour la vidéo quoi, parce que je suis pas sûr que j'utiliserai tout ça. Hein. Franchement, là, je vous avouerai que c'est pas mon délire ce deck à mon avis. Ah, on sait jamais des fois, hein. Ça, on peut être surpris, on peut être surpris. Alors juste, j'aimerais changer elle parce qu'elle fait vraiment beaucoup d'élixir. Ah, y a pas, j'hésite avec les gobelins. Ok. Ouais, je pense que ça peut le faire comme ça. Ok, voilà, donc voilà notre prochain deck pour attaquer. À mon avis, ça va être fameux. Ça va être épique, je pense. Petite blague, tu vois, c'est parce que j'ai trois épiques et tout. Enfin bon, voilà, donc du coup... Ah non, c'est des rares, voilà, je me suis trompé, c'est des rares. Ok, bah il disait pas des épiques normalement dans les trucs. Ouais, bah je sais pas. Enfin bon, ouais, regardez. C'est pas mal ça, on peut acheter des... Oh tiens, j'ai acheté des squelettons. Non, mais dire, mais ça te sert à quoi d'acheter des squelettons? Tu les utilises même pas. Hop, j'achète ça aussi. Alors en fait, j'achète tout ça. Ah ouais, là par contre, je vais devoir faire un choix. Comment ça se fait que j'en ai autant? Ah, mais ouais, mais j'en avais gagné, c'est vrai. Hop. Voilà. Ok, est-ce que j'ai assez pour faire elle? Ou lui? Ah là là, j'hésite. Putain, j'ai pas assez pour les deux. C'est quoi ce délire comme par hasard, tu vois? Putain, j'ai pas assez pour les deux. Oh, à 4 pièces près, j'ai même pas assez pour les deux. Tiens, on va faire celui-là.
Hop là. Putain, mais vous êtes sérieux là? Ah, j'ai trop envie d'en faire un, mais lequel? Voilà, de son sûr, j'utiliserai pas vraiment. Ok. Voilà. En fait, ouais, donc du coup, j'en achète sur le côté là. Encore une fois, c'est pour EP au niveau de l'XP. Et du coup, augmenter de niveau plus vite. Et ouais, donc c'est une technique que je vous conseille de prendre. Parce que c'est vraiment très serviable, hein. Il faut vraiment augmenter. Enfin, après, voilà, ça sert à rien d'augmenter non plus extrêmement vite, hein, mais au moins vous augmentez plus vite. Et au final, bah, vous devenez plus fort plus facilement, quoi. En gros, votre vie de votre QG principal augmente plus vite. Merde. De vos bâtiments principaux. Voilà. Ouais, juste de vos bâtiments, en fait. Mais bon. Arrêtons de dire de la merde. Et puis, du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour faire des batailles, hein. Voilà, donc dans 2h31, enfin, c'est environ, parce que je serai pas forcément là pile au moment où ça arrivera, mais je serai dans les environs. Donc, du coup, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Ouais, donc, du coup, on va ouvrir les... On va ouvrir. On va... Ouais, on va ouvrir le... Ah, le truc, là. Enfin, bon. Vous m'avez compris, quoi, le coffre. Alors juste avant on va regarder ça, voilà, on va EP les trucs après. Donc du coup ok, d'accord, ok. Parce qu'en fait là, ce qu'il faut savoir c'est que l'enregistrement de ma voix, eh ben encore une fois il a bugué, il avait du coup on comprend que dalle, quoi. C'est extrêmement chiant, vous pouvez même pas vous imaginer. Et donc, du coup, c'est casse-couille, voilà, tout simplement. Et le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi, tu vois. Y a aucune raison, tu vois. Aucune raison valable, tu vois. Voilà, ça m'énerve. Voilà, donc du coup, je commente quand même par-dessus, parce que, bah, sinon, ça sert à rien de le mettre en ligne, cette vidéo. Et voilà, donc, bon. Ce serait un peu con de pas la mettre en ligne, quoi. Parce que, malgré tout, il y a quand même des trucs à voir là-dessus qui est plutôt pas mal. Donc, du coup, je récupère mes 100 gemmes que j'ai gagné en fait en joignant un clan. Et en fait c'était pour faire un don de troupes pour pouvoir gagner assez de pièces pour pouvoir évoluer ma fireball. Voilà, donc c'était pour ça que j'avais fait ça. Mais enfin bon, du coup j'ai attendu pour l'augmenter, j'ai attendu d'être en vidéo comme ça. Voilà, donc du coup bon, on va se faire des attaques après pour pouvoir ouvrir le comment on s'appelle? Là où ouais, le. Ouais, voilà, le coffre d'or. Donc, du coup, on va se faire des attaques. Voilà, donc, du coup, bah. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti! Ah, oui, voilà, donc j'avais oublié de vous dire. C'est que j'avais tout changé mon deck. Donc, vous avez remarqué, hein, sûrement. Sinon, on revenait en arrière dans la vidéo. Donc, du coup, bah, ouais, j'ai tout changé mon deck pour. Enfin, en gros, c'est pas un deck que je garde, hein, c'est vraiment un deck tout pourri, quoi. J'ai essayé ce deck. Impossible de jouer, hein, franchement. C'est en gros, j'ai toutes les cartes que j'utilisais pas, et ben j'ai mis celle-là, comme pour voir ce que ça donnait, tout ça, pour faire un petit truc comme ça. Bah, c'est vraiment pourri, quoi. C'est impossible à jouer. C'est un truc de fou. J'y arrive vraiment pas. Donc du coup, bah voilà, on teste, hein, on voit ce que ça donne. Ah, c'est un peu moins passionnant de commenter en doublage, j'ai envie de dire, tu vois, de doubler quelque chose. Ouais, c'est un peu moins passionnant, quoi. C'est mieux quand c'est direct dans le game, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Là, je suis en train de me faire me démolir la gueule. Là, je sais plus quoi faire. C'est tombé. Eh ben, c'est une défaite. Là je mets good game, allez, style mon cul avec good game, rien du tout, va te faire foutre surtout. Oh là là. Voilà, bam, il m'a niqué. Son dragon à la con, putain. Ah, ce dragon il fait chien, il cheatait le dragon, c'est un truc de fou. Franchement, avant de le niquer le dragon, faut y aller. Hein. Thank you.
Là, je suis en train de me faire défoncer. Et bam, il m'a niqué. Voilà. J'ai même pas niqué une seule tour, tellement que c'est un deck de merde. Vous imaginez un peu? Putain. Bah, donc là, voilà, le deck, il m'a saoulé. Du coup, je me suis dit, bon, c'est bon, on arrête les conneries. Je remets mon deck d'avant, parce que sinon, je vais jamais y arriver, quoi. Voilà, donc du coup, j'ai remis mon deck. Puis comme ça, au moins, ça va déjà mieux, quoi. Bim! Ouais, d'un coup, là, ça défonce un peu plus quand on a notre deck. Hein. Franchement, tu vois, le deck, là, c'était de la merde, tu vois. Et quand je commence à prendre mon deck, bah, ça défonce direct. Boum! Le gars, il a rien compris. Je suis arrivé dans la game. Pouf! Il s'est fait démonter la gueule. Le gars, il a dû être en PLS, quoi. Il pouvait plus parler. Pas compris. Laisse tomber, quoi. J'ai démonté. Truc de fou. Donc là, je savais pas ce que vous voulez. Du coup, j'ai essayé un truc. Voilà, pour voir ce que ça donnait. Parce que j'avais pas ce que je voulais. Donc du coup, bah, je me suis dit, bon, on va essayer un truc. Hein. Puis bon, bah, c'était pas mauvais, quoi. Ça allait bien. Mais c'était pas non plus exceptionnel. Mais ça va quand même, ça a bien niqué. Après, j'ai mis la sorcière derrière, ce qui a sauvé quand même le deck, enfin l'attaque. Donc c'était plutôt pas mal. Je défonce, hein, je défonce. Et la paix. J'avais pas vu, il m'a niqué cet enculé et tout. Il avait mis son son putain de je sais pas quoi là. Putain, j'avais le deg. Allez, je le démonte. Boum. Donc là, j'ai essayé d'envoyer ce que je peux là-haut, mais laisse tomber, quoi. C'est impossible. Le mec, il m'a niqué. Et genre, bien profond, quoi. Laisse tomber, quoi. J'ai rien vu venir, c'est tout qui venait. Ah, j'ai horreur de ce time où tu peux, t'as plus d'élixir parce que les gens, ils y arrivent, mais moi, j'y arrive jamais. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi. Et ça me casse les couilles. Mais bon, dès que j'aurai les squelettes, où il y en a une vingtaine, là. T'inquiète que le time, il... ce sera mon ami, hein. Ouais, c'est parti. Allez, petite technique, géant. Chut, hop. Avec les petites sorcières derrière. Ça, c'est une technique qui est pas mal. Franchement, c'est une bonne technique. Ça, elle est bien couverte et tout. Ça nique tout, ça. Allez, nickel. Nickel. Regardez, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Il va rien comprendre, je vais le défoncer. Lui, il a essayé de me défoncer, tu vois. Mais moi, je suis allé plus vite que lui, tu vois. J'étais plus malin, tu vois. Et je l'ai défoncé. Putain, ça, c'est bon, ça. Hop là. Putain. Voilà, et c'est là que j'ai eu mon Magical Chest. Que je vais ouvrir dans une prochaine vidéo. Enfin, que j'ai déjà ouvert, hein, mais pour vous, ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc... plus qu'une étoile, ok. Enfin, plus qu'une couronne. Donc c'est parti, on attaque encore une ou deux fois, je crois. Et puis, bah après, on se dira plus. On fait essayer de bien me défoncer au début avec son PK. Mais moi, j'ai été encore plus malin. Je l'ai défoncé extrêmement vite, quoi. Il a rien compris ce qui se passait. Hop, tu vois, avec son petit PK, là, moi, j'ai tout niqué, moi. J'ai pas cherché à comprendre. J'boum dans sa gueule. Direct. Yep. Moi, c'est comme ça. Moi, ça passe. Oh là là, ça qui est bon. À chaque fois qu'il envoie son chevalier, là, ou je sais pas quoi, là, j'ai juste ce qu'il faut pas, quoi. Genre géant, witch, enfin sorcière, mousquetaire, enfin vraiment les trucs qui se font one shot et qui font pas de dégâts au machin, enfin bon, c'est vraiment un truc d'enculé, quoi. Rien croire qu'il connaît mon deck, quoi, enfin, qu'il le voit, tu vois. Enfin bon, c'est tombé, quoi. Ouais, donc là j'étais en train de me faire défoncer, tu vois. Et je me suis dit, bah, je vais le niquer, tu vois, je vais le défoncer, je vais aller dedans, je vais le défoncer, et c'est ce que j'ai fait.
Il doit avoir le démon, il doit avoir le démon. Ah, il a le démon. Genre, j'ai mis oups, genre oups, tu t'es raté. Ah putain, voilà. Donc, du coup, on ouvre ça, c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va gagner? Oh, 100 d'or, c'est magnifique. Après, on va gagner quoi? Ah, 2 gemmes, ouais, bah, un peu comme d'habitude. Donc, y'a pas de soucis, ok. Donc, un squeletton, je m'en fous. Après, on va gagner. Une archer, enfin 3 archers je veux dire. Donc ça, bon je m'en fous mais bon ça fait augmenter de niveau. Donc 9 gobelins, ça c'était pas mal ça. C'était vraiment pas mal. Donc ouais, donc je pensais que je les avais achetés dans le machin, mais c'est pas ceux-là alors dans ce cas. Ok, donc la Valkyrie que j'ai gagné à l'instant je crois. Ouais je crois, ouais je viens de la gagner. Donc c'est relativement pas mal, je viens de gagner quand même une rare. Ce qui est plutôt pas mal, ouais, donc j'augmente les flèches pour avoir des flèches plus fortes déjà et puis avoir aussi de l'XP. Voilà, donc du coup ok, donc je peux pas augmenter. Si, je peux augmenter. Ah ouais, c'est vrai que je vais être à 6 du truc, je crois. C'est ça, hein. Est-ce que je vais être à 94? Allez, brade-moi ça. Eh, oh, mais c'est long, hein. Ah, est-ce que je vais être à 94? Attention. Bim! Oh, 95, c'est dégueulasse. Je m'en bats les couilles, c'est dégueulasse. Il me troll. Ok, ouais, donc quoi? Ouais, donc j'ai pas encore passé ce niveau, enfin le niveau 4. C'est bien dans la prochaine truc que je vais passer. Donc du coup. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est terminé. Voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous aura plu quand même, tout ça. Et ouais, que vous aurez aimé malgré que ce soit un commentary par-dessus la vidéo. Donc bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et donc du coup bah moi je vous dis une prochaine vidéo. La prochaine fois on ouvrira le Magical Chest. Donc vous verrez que je gagne quand même pas mal de choses dedans. Relativement pas mal. Notamment des nouvelles cartes aussi. Donc ça c'est pas mal. Et donc du coup bah moi je vous dis ciao. Et du coup bah ciao tout le monde.